liberté, égalité, fraternité. Je veux te dire ce que j'en pense. Je me sentirais plus libre, mais pas vraiment grâce à ce qu'est ma lèbre. Le jour où il n'y aura plus aucune barrière entre toutes ces frontières qui, je pense, nous feront tous reculer d'un grand pas en arrière. Et c'est la défaillance, check l'égalité, mais seulement si c'est legit. Et te laisse pas berner par toute cette masse qui s'agite dans ce monde où les tentations sont trop illicites, mais qui a du respect, même la française des jeux paraît truquée. Plus jeune, on a tous essayé des choses qui nous ont donné que l'inverse de voler ou de nous enfoncer. Le casino, c'est bien, mais seulement si t'es armé, ou pour tous ces rêveurs qui finissent un jour endettés. À force de trop miser, ils en deviennent immunisés à la peur de tout perdre ou à l'argent qu'ils ont gagné. Mais ça fait longtemps qu'ils ont brûlé leurs ailes à trop croire à l'argent qui ne tombe pas forcément du ciel. Forcément le truc qui te rend accro, pire qu'un jeu vidéo, avec toutes ces lumières qui font fondre ton cerveau. Parfois en immersion comme dans un casque VR, on a tendance à croire que la réalité est virtuelle, mais à trop insister tu peux en finir par terre. Et là je suis sincère, heureusement que j'ai encore toutes mes chances, mais d'y croire d'avance ne m'avance qu'à de la science-fiction. Dans ce monde pour partir à l'accident, pas besoin de solution, et y'a pas trop trop d'addiction. Enfin ça me semble évident, on pense à tout et à rien en rien de temps. Et pourtant, on n'a jamais le temps de penser à soi. Je crois plus au mirage, alors j'essaie seulement de tourner la page. Faut pas non plus oublier qu'il y a encore des gens bien. Malheureusement, il y a ceux qui en changent le refrain, et c'est toujours les mêmes qui en font les frais. Faire qu'un verre, certains principes nous donnent souvent l'air d'avoir tout anticipé, mais toujours pour trop tard, ça sert à quoi trop d'y attarder. Et c'est trop d'en faire enfin pour en vivre serein. C'est comme d'essayer d'arrêter de fumer avec la même conviction, c'est d'y arriver sans sourciller. Je peinte pas comme dans un livre ouvert ou comme dans toutes ces pubs où il y a beaucoup trop de choses artificielles. J'ai pas envie de rester coincé à boire la tasse qui m'ont servi. Alors j'en perds mon sang-froid, et c'est perdu d'avance. À chaque fois que je prends de sens, à chaque fois je rentre dans du leur danse. À chaque fois qu'ils amusent une étincelle, tout ça pour que la populace s'en mêle. On n'a pas besoin de leur discours de déontologie pour comprendre vraiment toutes ces démagogies. Si ça continue, on devra tous prendre un abonnement en sophrologie. Non merci, même si quelqu'un a déjà les mains sales à force de tirer sur la corde. Mais tu connais l'adage, pour être con, il n'y a pas d'âge. Il y a trop de gens qui vont en tôle pour rien. Ça sert à quoi si c'est pour y vivre comme des chiens? On comprend toujours rien à que dalle. Et ça nous mène en bateau pour finir tous dans ce putain de caniveau. J'ai pas besoin de faire une morale à cette histoire. Tout le monde pourrait finir en mode casino paranormal. Certains ne pensent pas avoir le niveau pour affronter l'attraction. Les problèmes qui tournent autour de ou à cause de certains. Il suffit d'un électron pour que le bordel à ce refrain. Alors t'étonnes pas si demain tu te réveilles en caleçon. Tout ça à cause d'un de ces putains d'honneur de leçon. Merci à tous ces beaux parleurs qui parasitent toutes nos chaînes de télévision, et ce n'est qu'un début. Ce qui ne donne pas envie de savoir la fin. 20.